Les fraises impressionneront tes amis, mais c'est tout. Les ramasse que si tu y tiens vraiment. Ouais, mais c'est des fraises. Salut tout le monde, je suis Ina, la seule inuit qui aujourd'hui se retrouve dans un deuxième épisode de... Oh, c'est joli. De Céleste. C'est ce monument et des... Oh, je dois pas être réveillé, moi. Bon! Hein? Oh, c'est mignon, ça. Ouais, on va pas le tester, on va pas tester, on va continuer tout droit. Je dois reconnaître ne pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où la sortie? Ok. D'accord. Je suis pas sûr de comprendre bien ce qui se passe, hein. Bonjour. Une fraise! Oui, je veux bien, mais ça m'avance à rien. À part si j'ai raté un truc, ça ne m'avance à strictement rien. Non, ça passe pas. Passez par en dessous. Ça passe. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Qu'est-ce que... Je ne me souvenais pas avoir des yeux aussi rouges. Enfin bref. Ah, mon reflet, il a bougé! Ah, mon reflet, il s'enfuit! Au secours! Qu'est-ce que... Ah, mon reflet, il m'agresse! Ah, je suppose, je sais pas. Je sais qu'il y a une fraise en dessous, mais comment j'y vais? Oh, trop fun! J'ai foutrement aucune idée de comment aller récupérer cette fraise. Donc tant pis la fraise, mais ce sera sans toi. Oh, d'accord. D'accord. Oui, c'est trop fun en vrai. À moi les pépites!
pour récupérer les trois. Yeah! Qu'est-ce que j'ai fait? Une fraise! C'était essentiel. Je ne regrette rien! À moi la fraise! Ok. Parce que c'est ça, c'est mort. Bon, et sinon, mon reflet, il est parti où, en fait? Vraie question, hein, parce que... J'ai pas l'habitude de perdre mon reflet, moi, comme ça. Là, il y a une fraise! Blep. À moi la fraise! Ok. Hey, hey, hey. Et voilà, on y arrive. Mais... Hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est facile. Là, ma chère, ralentis. Qui a parlé? Oh, je ne suis qu'une observatrice inquiète. C'est moi, tu ne me reconnais pas? Mais tu es moi? Je suis une partie de toi. Pourquoi une partie de moi a l'air si... sinistre? Je suis très... Pardon, je me suis laissé emporter. Ah, c'est mon apparence, d'accord? Tu dois t'y faire. Désolé, je ne voulais pas. D'habitude, je contrôle comment je change. Pas du tout. C'est un peu plus complexe que ça, mais... N'y pense plus, fais pas gaffe. Si tu savais quel soulagement c'est de sortir enfin de ta tête... Oups. Qu'est-ce que j'ai lâché sur le monde, moi? Mais écoute, je suis inquiète à notre sujet. Il nous faut un loisir, mais là... Je sais que ça paraît fou, mais je dois gravir cette montagne. Ma chère, tu es tout sauf une alpiniste. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, je sais que c'est pas ton fort, mais sois raisonnable pour une fois. Tu n'imagines pas dans quoi tu te lances. Tu n'y arriveras pas. C'est exactement pour ça que je dois le faire. Et tu... Es-tu la faible partie de moi ou la partie paresseuse? Ou comment ça balance? Oh, je suis la partie pragmatique, enfin. Et je tente de rester diplomate. Rentrons à la maison, ensemble. Qu'est-ce que... Aïe! Non, je veux pas! Lâche-moi! Attends, il y a des fraises! Merde, il y a une fraise! Attends! Blep. Yep! Parfait! Je suis plus rapide que moi! Wait. Haha, je suis tué, je... Blep. Fail. C'est pas grave. Oups. Petit problème technique. Blep.
petit problème technique. Yep. Petit problème technique, encore une fois. On va y arriver. Oups. Oups. Bon, on va y aller à la fois. Voilà. Raté. Ah! Ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. C'est pas grave. On peut le faire, on sait comment ça fonctionne. Blep, j'ai oublié les pics. J'ai oublié les pics. C'était contrôlé, mais j'ai oublié les pics. Blep. Faut que je lâche en bas, en fait. Ou que je dash en avant, je ne sais pas. Aha! Voilà, on y est! C'est bon, on y est, on y est! J'ai paniqué à la fin! Pourquoi je suis en triple exemplaire maintenant? Au secours! Je me multiplie! Ah, il y avait une fraise! Au secours, attends, j'ai raté! Les fraises, c'est important pour ma santé mentale! Ah! Vous êtes trop lente! Je suis trop lente? Ok! Ah, je l'avais! Oh, je l'avais! Oh, je l'avais pas! Ok, ligne droite. Je l'avais pas vu venir. Bon! Blep. C'est complexe, c'est complexe. On peut y arriver. Je veux cette fraise. Je vais pas y arriver. Blep. J'y suis presque, hein. Presque veut dire que je n'y suis pas encore. C'est bon, on y est. Blap! Je l'avais! Ah, j'ai pas besoin de la récupérer, ça c'est cool. Ah, ah, ah! Ah, j'ai pas le temps de me reposer! Ah! Pas grave. Oui. Blep. Comment je suis censé récupérer la fraise ici? Non, 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 tirez-vous. Raté. Raté. Ouais, c'est délicat, hein. C'est délicat. Course contre moi-même. Par contre, je suis combien de moi-même, là? Juste. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je suis cinq moi. Ça fait beaucoup trop de moi. C'est ingérable. Non, je vous jure, s'il y a cinq moi, essayez pas de me gérer, c'est plus possible.
Ah là, on avance, on avance, on avance. Ah! J'ai distancé mes mois! Non! Je vous ai dépassé, vous m'attraperez jamais, Ah, ça fait du bien d'être débarrassé de moi. Tout cela est confusant, je dois dire. Oui. J'adore ce truc. Ça ne sert à rien. Ah, une station service. Parfait. Ah, je crois que quelqu'un m'appelle. Bon, décrochons. Allô? Ina, tu appelles d'une cabine? Alors, c'est toi qui m'appelles d'une cabine, mais ouais. Enfin, non, attends, c'est toi qui appelles. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, peu importe. J'ai des ennuis. Je me fais poursuivre par 5 mois. Quoi? Disons que je suis pourchassé par quelqu'un. Je comprends pas bien ce qui se passe, mais je me sens en danger. Je le sens. Ina, tu ne m'appelles que quand tu paniques au milieu de la nuit. Inutile d'inventer des histoires ridicules pour attirer mon attention, enfin. Mais je n'invente rien! Tu ne changeras jamais. Chut. Ça va. Calme-toi. Prends une grande respiration. Ferme les yeux. Expire. Ça va mieux? Je m'excuse, chérie. Je t'écoute. Je grimpe le mont Céleste. J'ai trouvé un étrange miroir. Il s'est brisé, mais une partie de moi s'en est échappée. Et elle se reproduit tellement vite. Je fais un rêve, c'est ça? Ina, bien sûr que tu fais un rêve. Je ne t'ai pas parlé depuis des mois. Pourquoi commencerais-je maintenant? Pourquoi gravir cette stupide montagne? Ah! Moi! Je me pose la même question. Il est temps d'abandonner et de rentrer à la maison. Mais non! Je viens de me faire manger par mon anxiété, je crois. Non? Ce monument est dédié à ceux qui ont péri dans la station. Parfaitement lisible. Je pense que tout va bien. Ah, j'arriverai pas à dormir plus aujourd'hui. Bah, continuons. Je crois qu'il y a un campeur là-haut. Allons le voir. Bonjour. Hey, salut toi, camarade voyageuse. Salut. Toi aussi, tu viens pour étudier les vieilles ruines? Non, je viens pour monter au sommet. Quoi? C'est de la folie. Enfin, je m'appelle Théo, je suis un aventurier d'un pays lointain. Tu n'es pas très bavard, n'est-ce pas? Du genre l'océanitaire et mystérieux, j'ai compris. Je n'ai qu'à imaginer ton sombre passé. Salut Théo, désolé pour tout à l'heure. Je m'appelle Ina. J'ai tellement de choses en tête. Ah, c'est l'endroit idéal pour ça. Ces ruines invitent à l'introspection. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir, pour ainsi dire. Ouais, je comprends. De quel pays lointain tu viens? Eh bien, chère compatriote curieuse, je viens du royaume mystique et énigmatique de... Seater. Ça doit être un endroit spécial. Allez, monter là-haut fut difficile, mais ça valait vraiment le coup. Regarde un peu ces ruines. J'ai pris plein de belles photos, tu veux voir? Oh, bien sûr. Oh, Théo, elles sont super. Ah, je finirai peut-être là par atteindre un millier d'abonnés avec ça. Oh,
Il faut qu'on fête officiellement cet événement. Prends un selfie avec moi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour l'instant. Allez, sois cool, regarde. Cheese. Oh. Est-ce qu'il a d'autres choses à me dire? Ah, je suis désolé. T'inquiète pas, je ne posterai pas celle-là. Non, ça va, tu peux la poster. Mais je ne suis pas photogénique. Lina, ne sois pas si dur avec toi-même. Personne n'est photogénique sans filtre. C'est vrai que ça rend mieux. T'es contracté, mais sophistiqué. Ah, je l'aime bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photographie? Je vais vous faire le dialogue jusqu'au bout, je vous préviens. Oh, mon grand-père adorait ça. Apparemment, il était assez connu dans l'univers de la photographie. Je ne sais pas si j'atteindrai ce niveau un jour. Mais ça me rapproche de lui. Alors, tu es déterminé à gravir toute la montagne? Oui, je m'en suis fait la promesse. J'en ai marre de trahir les promesses que je me fais à moi-même. Oh, se fixer des objectifs. J'ai pigé. Je ne pense pas aller jusqu'au bout comme toi, mais je n'ai pas envie de rentrer pour l'instant. Waouh. Il y a du réseau là-haut. Je n'ai pas de smartphone. Oh, Ina, tu me laisses sans voix. Ah, c'est tout ce qu'il avait à nous raconter. Bon, bah. Bon bah. Reprenons notre chemin, que voulez-vous que je vous dise? Là. Ah là là, toutes ces portes. Bouing, 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 bouing. Je me demande quelle civilisation a pu inventer autant de ressorts dans leur habitation. C'est curieux. Enfin. Ah, la cabane téléphonique. Est-ce que je devrais... Oui, forcément. Allô? Salut, maman. Oh, Ina, quelle surprise! Comment se passe ton voyage? Ça va, je suis juste un peu submergée. Oh non, tu fais encore cette crise de panique, Pense bien à respirer, ma chérie, je suis là. Que se passe-t-il? Oh, si tu savais, maman, j'ai tant de choses à te raconter. Mais ça, ce sera la prochaine fois. Eh bien voilà, un chapitre de plus de fini. On a été course-poursuite par moi-même. C'était génial. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens.